Voilà, chers agripreneurs, ravi de vous servir dans cette petite vidéo où on va vous montrer comment est-ce que cet engrais a évité le pire du feu de brousse. Car nous avons eu à parler de la perte énorme en cette période de décembre, en mars, bon, avril, des agripreneurs ou des agriculteurs de leur production. Vous allez voir qu'ici, chez agripreneurs, ici, on a une zone où le feu est venu, mais le feu s'est arrêté ici. Et par contre, ici, on a cet engrais. Et par contre, s'il n'y avait pas ces léons ou cette route de sécurité, le feu aura pu traverser. Donc, c'est important chez les agripreneurs, on ne le dira jamais assez, en cette période-ci, s'il vous plaît, de faire des routes, des léons, des barrières de sécurité pour éviter le pire, par exemple, comme ici. Parce que vous avez vu que le feu a bien brûlé, mais arrivé là, ça s'est arrêté parce qu'il n'y a pas eu un moyen de communication. Mais si par contre, ici, il y avait des feuilles sèches ou une branche d'arbre, le feu aurait pu traverser et se retrouver dans la lanière et brûler. Voilà donc que ça fait comme ça. Les efforts et des efforts et des efforts de beaucoup d'années qui vont partir en quelques minutes par la fumée. Donc, c'était juste pour attirer encore une fois de plus votre attention sur l'impact que peut avoir le feu de brousse en cette période-ci et les moyens, les mesures de sécurité qu'il faut mettre en place pour éviter cela. Donc, je vous dis à très bientôt. Espérons que vous allez mettre cela en pratique et partagez aussi. Bye bye.